Demain, je joue contre un joueur un peu plus facile, je joue le numéro 1 mondial. Hey, Gwendal, il est tombé sur un os, mais c'est l'os, c'est quand même le numéro 3 mondial. Hein. Donc, tu as fait un super match. Voilà. Comment il s'appelle Eddy, Eddy Merckx, il a fait des séries incroyables, dont une de 9. Tu t'es hyper bien battu. Voilà, donc félicitations, bravo. Franchement, tout le monde ici apprécie à la fois ton talent et ta sympathie. Je pense que tu vas aller loin. Et moi, je suis heureux de t'avoir rencontré, en tous les cas. Moi aussi. Donc, si tu veux dire un petit mot au Ferré Capien, allez. Merci à tous de nous suivre et puis à bientôt encore. Puis c'est pas fini, il y a d'autres matchs. Non. Voilà. Demain, je joue contre un joueur un peu plus facile, je joue le numéro 1 mondial. Ouais, alors demain, c'est celui que tu as déjà battu. Non, j'ai jamais battu. Ah, c'est lequel que tu as battu? C'était le... Non, j'ai battu le champion du monde pour le champion du monde, pour qualifier. Le numéro 1 mondial. Ah ouais, d'accord. Voilà. Bon, alors... Gwendal, il y va tranquillement. Bon. Après le champion du monde, voilà, le numéro 3, il a préféré le laisser passer. Il doit s'occuper du numéro 1, qui s'était esquivé en fait, c'est pour ça. Merci. Merci Gwendal. Écoute, franchement, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai passé une journée merveilleuse en compagnie des équipes de billard et de Gwendal en particulier. Voilà, donc merci à lui.